Retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il fait super chaud, on est la fin de semaine, c'est qu'on est à l'extérieur depuis ce matin, on essaye de profiter au maximum parce que c'est les dernières journées d'été qui restent et qu'il faut essayer de vraiment profiter. Donc pour nous les plans de la journée c'est pas mal tranquille et j'ai pas encore décidé qu'est-ce qu'on va faire à souper, mais dans tous les cas, je pense que je dois aller à l'épicerie tantôt, donc si je vais, sûrement je vous ramène avec moi. Mais là, on est entre deux choix. Mon mari, il veut manger des steaks à la barbecue, puis moi, j'ai envie de manger des brochettes de poulet. Donc, on n'a pas encore décidé. Puis là, et comme je vous disais tantôt, les filles sont en train de jouer ici à l'extérieur. Puis mon mari va commencer à remplir la piscine pour que les filles puissent se baigner. Donc, pour ça, je voulais juste vous dire bonjour. Puis, on va se reparler tantôt. Tellement, tellement chaud, guys. Je pense qu'il fait à peu près 42 degrés. Fait que on va remplir la piscine. Et on la remplit à chaque jour, la petite piscine pour les filles. Et je vais vous montrer comment est-ce que mon mari est en train de faire. Parce que vraiment, on a hâte juste de rentrer dans l'eau. Moi aussi, je me baigne. Et elle est pas si petite, hein, quand même. Ça fait du bien, je vous dirais, de rentrer dans l'eau bien froide. Ça soulage les petites chaleurs. Donc, c'est ça. Là, on va la gonfler. Après, on va la laver. Puis, on va la remplir. Puis, c'est ça que je vous avais montré l'autre jour qu'on avait acheté. Et c'est super aussi. Les filles, elles aiment vraiment. Donc là, on va la remplir. En attendant qu'on remplisse la piscine, on a rempli la table d'eau. Puis le jour, l'eau est déjà chaude. On a fini de remplir la piscine, puis là, les filles sont en train de se baigner, mais plus Sophia, elle veut rester à côté de moi, mais je pense que je vais rentrer moi aussi, parce que je veux qu'elle se baigne vraiment, parce qu'il fait vraiment chaud. Puis je voulais vous dire, l'autre fois, je vous l'avais mis sur Instagram, mais vraiment, ça, c'est la meilleure achat qu'on a faite. Les filles ont passé tout l'été ici dehors, puis vraiment, c'est le fun. Avec cette petite glissade-là, et c'est vraiment le fun. Sophia, est-ce que tu veux l'essayer? Oui. La glissade? Sophia, elle est devenue un pro. Elle se lance de tous les côtés, de toutes les façons. C'est vraiment cute à voir. Vas-y, mon amour. Donc, c'est vraiment un super achat. Wow! Ça, je l'ai pris à Costco, 39,99. Puis ça, à Walmart, c'était combien? 19. 20$, c'est ça, à Walmart. Donc, c'est des super achats qui vont faire vraiment une bonne été pour vos enfants. Donc, ça fait presque, je vous dirais, ça fait à peu près 2 heures que les filles sont en train de se baigner à l'extérieur. Puis là, elles commencent à avoir faim. Donc, je me suis sorti ça. C'est toujours un bon dépanneur à avoir ça. Je vais faire du mac and cheese. Puis ma grande fille, elle est en train de me faire un bon café. Elle est tellement gentille. Puis après ça, je pense que on va s'habiller parce que on va aller au Canadian Tire puis au Maxime. Merci ma chérie, t'as faim? Ouais, Sophia, elle est pas encore prête à sortir. Elle est là. Donc là, je vais leur préparer ça. Puis après, on va s'habiller. Ok, maman? Ouais. Ouais. Ils sont prêts, puis je voulais juste vous partager une petite astuce que moi-même je connaissais pas il y a jusqu'à quelques temps. Donc vraiment ça change tous les goûts des mac and cheese, puis il faut mettre une tranche de fromage Kraft, puis après ça on va juste venir comme mélanger, puis ça va fondre, puis je vous dis, ça change complètement les goûts. Et mon mari aussi, il pimpe ça, il met du fromage parmesan une fois qu'ils sont cuits.
puis de différentes sortes de fromages, puis il va mettre ça au four, puis c'est tellement bon, mais en tout cas, une version facile pour les enfants, c'est juste de mettre une petite tranche ici, puis attendre que ça fonde, puis je vous jure, ça change complètement les goûts. Voilà, les petites princesses sont en train de manger une bonne petite dîner à l'extérieur dans cette journée de chaleur, c'est vraiment la canicule, puis moi j'ai un café. Là, mon mari est en train de re-remplir la piscine, puis je pense que nous, on va aller s'habiller, puis on va partir. C'est son chéri? Ouais. On s'habille, puis on y va. Donc, nous voilà dans l'auto, et on a pris une bonne douche froide, parce que vraiment, la chaleur, c'est insupportable. Je me suis fait un chignon, parce que vraiment, avec cette chaleur-là, je sais pas, je peux pas supporter les cheveux. Donc, on est dans l'auto, puis on est en direction au Canadian Tire, et je vous raconte pourquoi. C'est parce qu'il y a un set de marmites ou des casseroles qui sont en spécial. C'est la marque The Rock. Elles sont vraiment bonnes et elles sont vraiment pas chères. Donc, ma mère, elle m'a appelé. Mais ma mère et mon père, ils nous ont dit qu'ils voulaient nous offrir ça en cadeau. Fait que d'aller les chercher au Canadian Tire. Ma mère, elle s'en est acheté un set hier. Puis elles sont juste magnifiques. Elles sont vraiment belles. Puis c'est vraiment une bonne qualité. Puis vraiment, ça vaut la peine les spéciales parce qu'ils sont vraiment pas chers. Donc, on a vu sur Internet qu'il en restait dans les Canadian Tire où est-ce qu'on va y aller. Donc, j'espère que ça n'a pas changé puis qu'on puisse en trouver parce que vraiment, ça vaut la peine. Fait qu'on est arrivé puis on les a eus. Donc, elle est là. Quand on arrive à la maison, je vais vous montrer de quoi qu'elles ont l'air. Mais je suis vraiment contente qu'on les a trouvés. Je suis en train de voir les livres parce que j'aimerais vraiment m'acheter un livre parce que j'ai envie d'essayer les batch cooking et surtout maintenant que l'école va commencer. Donc je suis en train de voir des livres, mais ça c'est un livre pour des recettes de barbecue, mais je trouve qu'il y a vraiment plein de bonnes recettes, mais je trouve pas comme c'est les livres où ils donnent vraiment comme des recettes pour faire des batch cooking. Je sais pas comment on appelle ces genres de livres là, mais je suis en train de voir, il y a vraiment des livres intéressants, mais il n'y a pas que comme ça, d'ailleurs, ce barbecue santé. Ça a l'air tellement bon. Oh, déjà, ce burger-là, c'est à quoi? Burger de beau et fromage à l'avocat. Moi, je ne peux pas manger des avocats, mais ça a l'air super bon. Tellement bon. Donc, deuxième stop de la journée, on s'en va dans mon cher Maxi. Et on va aller acheter les poulets pour les soupers. Fait qu'on s'est décidé finalement, on va faire des brochettes. J'ai envie de faire comme un repas. Et comment on appelle ça? On dit grec. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Oui, tu veux aller au Walmart? Ok. Léa, ça fait je sais pas combien de jours qu'elle me demande d'aller à Walmart. Elle est tellement drôle parce qu'elle connaît déjà. Mais c'est ça, on s'est dit qu'on va faire comme un petit souper grec. Mais on va faire les brochettes à la barbecue, on va se faire une petite salade grecque et du riz, des patates. Donc, j'ai faim, juste d'y penser, j'ai faim. Donc, on s'en va au Maxi ensemble. Je vais acheter des fraises, ils ont l'air vraiment bonnes. Ça, c'est les fraises du Québec. Donc, je vais me choisir une petite barquette, je vais prendre celle-ci. Je pense que je vais faire un petit dessert aujourd'hui avec ça. Ouais, on va acheter la crème alors, mais du coup, oui, pour faire un gâteau. Sophia, prends lui la bleue. Ici, mon amour. Wow. Ici. Puis, on est là. Qu'elle comprend, Sophia? Lui, ici. Tu dors. Voilà. On va attendre papa qui est là. Papa, stop! Donc, on vient d'arriver à la maison, puis je vais vous partager mes achats premièrement et je vous montre les sets de batterie que mes parents nous ont offert. Donc, merci maman, merci papa, je vous aime, merci, merci. Et je ne l'ai pas encore déballé, je vais le faire tantôt, puis je vais vous le montrer plus détaillément, mais vraiment, on en a pris deux parce que mon père, il en voulait une autre pour faire cadeau aussi à quelqu'un de sa famille. Donc, c'était les seuls deux qui restaient au Canadian Tire où est-ce qu'on est allé. Puis même quand on est arrivé là, il y avait une madame qui les voulait aussi. Donc, il n'en restait pas beaucoup. Puis, il n'en restait pas. C'était les seuls deux qui restaient. Puis, je trouve vraiment sont super jolis. Vraiment, j'ai hâte. Je vais les déballer tantôt. Puis, je vais vous les montrer. Ensuite, au Maxi, j'ai pris des demi-lunes. J'ai pris du fromage feta.
pourrais faire ma salade grecque avec un concombre, puis j'ai des tomates. J'ai pris des poivrons pour mes brochettes, puis j'ai pris du poulet parce que vraiment, je suis due, je dois aller faire mes courses, il ne me reste plus rien. Donc, j'ai pris ça pour mes brochettes. Ensuite, j'ai pris du lait parce que demain, je vais aller faire mes courses sans faute. Ensuite, on a pris de l'huile d'olive parce que c'est vraiment ça qu'on avait besoin pour aujourd'hui. Puis, pour mon petit gâteau que je vais faire tantôt, c'est tellement simple. Je le fais à chaque été. On adore vraiment, c'est frais. Puis, c'est vraiment facile. Là. Donc, j'ai pris du Cool Whip, des fraises, des bleuets, puis un mélange à gâteau doré. Donc, ça, c'est mes ingrédients pour mon dessert d'aujourd'hui. Puis, le reste, ça va être pour notre souper. Donc, moi, je vais placer toutes mes choses. Puis, on va se reparler tantôt. OK, ma belle? OK, Léa? Tu dis à tantôt, les amis. Les amis, ça, et tu dois mettre du lait. Du lait? OK. J'ai préparé ici tous les ingrédients pour faciliter la tâche à Sophia. Vraiment, on sait tous comment faire ce genre de gâteaux en boîte, mais ils sont vraiment bons, hein, il faut dire la vérité. Même si c'est en boîte, ça goûte super bon. Et puis, pour moi, c'est vraiment gagnant parce que ça laisse la chance à ma petite Sophia de faire une activité avec moi. Donc, sans plus tarder, je vais commencer à préparer le gâteau avec elle. I wanna close my eyes and go back. Play it in my mind. A movie of us two, yeah. We were happy at the time. Can't remember what it felt like. We used to be so strong. That picture perfect sky now, it looks so gray and cold. We've been laying here since 4 a.m. And you haven't said a word to me. Stuck out in the rain, but we danced around and didn't mind it. Donc j'ai mis les gâteaux au four, puis finalement je vais les faire juste avec des fraises. Donc j'ai coupé les petites fraises. Là, je vais les réserver, puis pendant que mon gâteau est cuit, je viens de mariner les poulets. C'est la même marinade que j'ai faite pour les brochettes il y a quelques vidéos derrière. Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est vraiment simple. C'est l'huile d'olive, de l'ail, un petit peu de vinaigre, du sel, du poivre et 7 épices. Vous connaissez l'épice 7 épices, c'est ça? Donc, c'est une marinade que mon mari fait d'habitude, mais là, c'est moi qui l'a faite. Je lui donne congé aujourd'hui des marinades. Donc, je vais mettre ça avec du fil alimentaire. Je vais mettre ça au frigo, puis je vais commencer à couper mes légumes pour ma salade. Et finalement, je vais pas faire du riz non plus parce que je trouve que ça va faire trop lourd comme assiette. Il est déjà 18h30, donc les temps que ça soit prêt, puis tout, je veux pas qu'on mange trop lourd. Donc, je vais juste faire les brochettes avec des patates comme grecques, mais ouais, style grec au four, avec une bonne salade grecque, tomates, feta, concombre. Donc, je vais mettre ça au frigo, puis je vais commencer à préparer mes petits trucs pour ma salade et mes patates. Que je voulais vous montrer une petite astuce que j'avais vue passer sur Pinterest, puis je l'ai essayé, puis ça fonctionne vraiment. Peut-être que vous connaissez déjà cette petite truc, mais c'est pour les poivrons, pour éviter d'avoir des petits morceaux de... pour éviter d'avoir des pépins partout. Donc il faut venir vraiment couper comme dans chaque ligne que les poivrons il a déjà. Donc ici c'est un peu difficile de faire dans l'air, mais on coupe jusqu'en bas. Puis après ça, on va juste venir ouvrir. Puis ça s'arrache tout seul. Puis les pépins, vous voyez, comme il n'y a rien.
vraiment, puis la partie du pépin, elle s'enlève. Puis on a un poivron qui est vraiment propre, sans petits pépins, parce que moi, ça m'arrivait souvent que je les coupais puis j'en avais partout. Donc, je trouvais cette astuce vraiment géniale. Puis c'est vraiment rapide, puis c'est ça, je voulais juste vous la partager. Peut-être que vous la connaissez déjà, mais c'est juste ça que je voulais vous montrer. Fait que là, vraiment, j'ai coupé mes légumes pour qu'on puisse manger bientôt. Je les ai coupées dans des petits quartiers comme ça. Puis là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre de l'huile d'olive. Ensuite, je vais mettre de l'ail en poudre. Donc, un petit peu d'ail en poudre. Et je vais mettre du paprika. Donc, une bonne quantité de paprika. Moi, j'aime beaucoup le paprika. Puis, je vais mettre de la persil en flocons. Comme ça, ça va donner une belle couleur. Quand mes patates vont sortir du four, puis je vais mettre du sel aussi. Je vais tout mélanger ça, puis je vais le mettre au four et à griller jusqu'à temps qu'elles vont être prêtes, à peu près 20 minutes. Puis ces petites patates-là sont vraiment délicieuses, sont parfaites pour accompagner toutes sortes de viandes, des brochettes, peu importe, sont vraiment savoureuses, sont vraiment bonnes. Donc, je vais continuer à bien mélanger mes patates, puis ensuite, je vais les mettre au four. J'ai fini de préparer toutes mes choses, puis je suis vraiment bête parce que je voulais mettre mes patates au four. Là, j'ai tout mélangé, puis tout. Puis vous savez quoi? J'ai oublié qu'on a fait un gâteau avec Sophia, puis il n'est pas encore cuit, il lui manque les milieux. Donc, là, je dois attendre que les gâteaux soit prête pour pouvoir commencer la cuisson de mes patates. Mais sinon, c'est pas mal ça. Là, j'ai fini. Je vais juste assembler mes brochettes tantôt. Puis, c'est tout. Donc, je vais vous montrer une fois que notre repas va être prêt. Mon set de batterie, puis je voulais vous le montrer parce que je suis vraiment contente. Elles sont vraiment jolies. Et je sais pas si vous pouvez voir la couleur. Elles sont comme cuivré, on dirait, sont super belles, ils ont l'air vraiment solides et j'ai vraiment entendu des bons commentaires par rapport à cette marque-là, donc je suis vraiment contente, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et donc vraiment, vraiment contente et je pense que vous, si vous voyez ça puis vous êtes intéressé, vous avez encore le temps d'aller les acheter. Et je vais essayer d'insérer une photo de la circulaire que, juste ici dans la vidéo. Et elles ont coûté 99$ plus taxes. Et donc, si je ne me trompe pas, je pense qu'avec la taxe, ils étaient 114 ou quelque chose de même. Donc, c'est vraiment pas cher. Ça disait qu'il y avait un rabais de 80%. Donc, vraiment, je suis contente. Puis, je remercie encore mes parents de nous avoir offert
ce beau petit cadeau. Enfin, notre repas est prêt. J'ai vraiment faim. Il est vraiment tard. Donc, c'est ça que ça donne. Les brochettes avec notre petite salade puis nos patates. Donc, c'est un repas inspiration grecque aujourd'hui. Fait qu'on va les manger. Et aussi, je voulais vous montrer ici. J'ai fait de la place dans mon frigo parce que les gâteaux sont prêts. Donc, je les ai coupés en deux puis je les ai mis ici. Et le temps que nous, on va manger, ils vont avoir le temps en masse de refroidir. Donc, on va les manger. Oh, Sophia, mets des fraises ici en haut. Quelques petites fraises tout autour. Gâteau, il est fait. Là, je vais le mettre un petit peu au frigo, puis après, ça va être prêt à déguster. Vraiment, c'est vraiment délicieux. Là, je vous le conseille vraiment, puis ça prend pas beaucoup de temps à le faire. Donc, on va le refroidir un petit peu, puis après ça, on va le manger. Ok, on est prêt à goûter. Je vais vous montrer. Ça a l'air vraiment trop bon. D'ailleurs, tout le monde sont impatients ici. Regardez-moi comment c'est beau. Voilà, bon appétit. Ok guys, donc je vais fermer cette vidéo ici. Je vais aller déguster les petits gâteaux avec ma famille. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté et sur ça, je vous dis à la prochaine. On a run from my given disaster. Speed away from the holy